c'est sur les cadeaux. Je voudrais juste vous dire un truc parce qu'il y a un article qui est paru comme quoi on n'avait pas offert tous les cadeaux. Alors je vais vous expliquer, on n'a peut-être pas offert 5 cadeaux en un an, mais ils vont arriver. Et donc il y a une journaliste quand même qui n'avait rien à faire, hein, qui a appelé tout le monde pour savoir s'ils avaient reçu les cadeaux Touche pas mon poste. Pour vous dire, en fait, Touche pas mon poste, je vous le dis, grâce à vous, marche bien. Donc les gens ne savent pas quoi trouver. Demain, ils vont dire que j'avais des chaussettes trouées pour présenter cette émission, pour faire un article, vraiment une alerte. Et donc voilà, donc je voudrais vous dire, Touche pas mon poste, depuis la rentrée, on a offert 145 séjours, donc de 2 jours à Disney, 145 abonnements de 3 mois à Charlie Hebdo, l'équivalent d'un mois de salaire, c'est parti également, 13 consoles de jeux, 6 tablettes, 4 téléphones, 3 séjours en Europe, 2 scooters, 2 télévisions, 2 séjours en thalasso, un permis de conduire, un téléspectateur. Ah, on a offert un téléspectateur. Un gars. Un mec qui nous regardait, on l'a offert, voilà, donc je vous le dis. Une lune de miel, un pot de miel, une lune, une caméra, une station météo, un Moveway, un voyage à Londres, une paire d'enceintes Bluetooth, un séjour au ski, un séjour à Orlando, un an de fleurs. Et nous avons offert 64 500 euros à des associations. Alors, on ne veut pas que vous nous félicitiez, juste les chéris, dire voilà que les cadeaux sont arrivés. Il y a eu un total de 333 cadeaux offerts. Donc, hashtag TPMP cadeau. Il y a plein de gens qui ont réagi à cet article et qui n'étaient pas contents, des téléspectateurs qui ont dit c'est faux, j'ai gagné un cadeau que j'ai reçu, revoyez vos infos, ça c'est Chacha. Grégory, cadeau reçu, merci Baba. Florian, merci Cyril Aouna, voilà, pour le cadeau, juste, il n'était pas empaqueté. Cédric, encore un grand merci. Donc plein de gens ont dit oui, c'est vrai que nous on a tous reçu nos cadeaux. Donc voilà, il y a plein de tweets. Donc il y a des gens mal intentionnés qui disent vraiment n'importe quoi. C'est le tweet normal. Qu'est-ce qu'il y a ?